C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. De ce côté de la Chambre, nous avons passé des mois à essayer d'arriver au fond de la corruption qui est actuellement enquêtée par la GRC. Les comptes publics ont révélé que l'ancien secrétaire principal du Premier ministre, Amin Massoudi, après avoir quitté son bureau, a reçu près d'un quart de million de dollars pour le même travail, mais l'a reçu par une entreprise privée qui s'appelle Atlas. Si ce gouvernement a refusé de répondre à des questions sur le moment où ce contrat a été signé, j'aimerais que le Premier ministre nous dise quand ce contrat a débuté. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La députée a souligné que c'est quelque chose qui est dans les comptes publics de la province. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un élément caché, tout au contraire. En même temps, il faut se concentrer sur les enjeux importants à la population de la province, c'est-à-dire créer des emplois, bâtir plus de logements. Nous voyons d'excellents résultats dans la province de l'Ontario. 100 000 personnes ont la dignité d'un emploi, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Nous poursuivons notre bon travail. Complémentaire? Monsieur le Président, laissez-moi aider le Premier ministre. On comprend que M. Massoudi n'est plus à l'emploi du groupe parlementaire conservateur. Après que la nouvelle du voyage de Vegas ait été publiée, on a appris que M. Massoudi avait signé un contrat avec Atlas, mais on refuse de nous dire quand ce contrat a été signé. Le gouvernement a donné 237 000 $ du 1er juillet 2022 au 31 mars de cette année. C'est une entreprise pour laquelle travaille maintenant M. Massoudi. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer que ce contrat a commencé en juillet 2022? Le leader parlementaire du gouvernement. M. Massoudi a signé un contrat avec PSCSS. Nous poursuivrons notre travail sur la création d'emplois et pour bâtir une bonne économie. Nous voulons nous assurer de bâtir plus de logements dans la province. Je suis très heureux de voir aujourd'hui que il y a des gens de le maire de Saint-Thomas est ici, un maire qui a fait un travail extraordinaire pour retirer les obstacles afin de créer plusieurs emplois dans sa circonscription, ainsi que bâtir des logements. Voilà le genre de leadership dont nous avons besoin dans la province. Nous sommes très heureux que le maire soit ici. Nous poursuivrons notre travail avec lui, non seulement à Saint-Thomas, mais dans toutes les municipalités de l'Ontario, afin que tous connaissent la même croissance que connaît Saint-Thomas. Des centaines de milliers d'emplois y sont créés. C'est bien pour notre économie. Complémentaire final. Je comprends pourquoi le Premier ministre veut éviter la question. De nouveaux documents obtenus par l'opposition officielle montrent que M. Massoudi a quitté son rôle comme secrétaire principal le 27 août 2022. C'est des mois après que le gouvernement ait dit au Toronto Star qu'on payait cette entreprise pour fournir le même service. Est-ce que les amis du Premier ministre ont facturé deux fois les contribuables pour écrire des discours parce qu'il était un ami proche du Premier ministre? Réponse, non. Prochaine question. La chef de l'opposition. Intéressant. Cette question s'adresse aussi au Premier ministre. Et ça ne fonctionnera pas, Monsieur le Président. Ça ne fonctionne pas, ces réponses. Ce sont des questions importantes que l'on pose et la population mérite une réponse de la part de ce gouvernement. Cette question s'adresse aussi au Premier ministre. Alors que la fonction publique et que les services publics tels que l'éducation et le réseau de la santé tombent en miettes, le gouvernement dépense plus que jamais.
La population, les gens qui sont coincés dans des temps d'attente à l'urgence ou sont traités dans les couloirs des hôpitaux de la province, veut savoir où l'on investit l'argent. Le premier ministre pour sa réponse. Depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons agréé 63 000 infirmières. Les néo-démocrates ont voté contre nos projets de loi, contre l'établissement de nouveaux, l'aménagement de nouveaux lits. Monsieur le Président, en fait, les retards de chirurgie ont diminué de 20 000. L'opposition a voté contre des investissements dans les soins palliatifs. L'opposition ne veut pas régler les problèmes dans le réseau de la santé. Les néo-démocrates veulent le statu quo du gouvernement libéral précédent qui a été appuyé par les néo-démocrates. Ils ont mis à la porte des infirmières alors qu'ils travaillaient avec les libéraux. Des milliers d'infirmières. Voilà où l'on investit. Député de Brantford-Brent-Waterloo, à l'ordre. Complémentaire. Vous savez où s'en va l'argent? C'est directement hors des coffres publics, dans les poches de vos amis privés. Voilà un gouvernement qui dépense toujours plus pour moins. Les données montrent que les cliniques de chirurgie privées facturent 138 % de plus pour la même chirurgie au public. On augmente les temps d'attente alors que des salles d'opération publiques sont inutilisées en manque de personnel. Quand est-ce que le premier ministre réalisera que son plan augmente les frais aux contribuables et empire la situation? Le premier ministre. Vous savez quelque chose, Monsieur le Président? Parlez à quiconque qui attend un an ou deux pour se faire remplacer la hanche ou le genou, ou pour une chirurgie à la cataracte. chirurgies de la cataracte ont été exécutées par les cliniques privées, ce qui a retiré la pression sur le réseau de la santé publique. Et les gens payaient avec leur carte santé, non pas leur carte de crédit. C'est 530 évaluations de moins que doivent faire les médecins de famille. Ça retire la pression sur ces médecins, enlève la pression aux patients qui doivent attendre des heures dans les cabinets de médecins pour obtenir un rendez-vous. Voilà où l'on investit notre argent. Complémentaire final. Oui, mais ils obtiennent ces soins quatre fois plus cher que ce qu'ils auraient au public. Les salles d'opération publiques sont vides. Les urgences ferment leurs portes. Les listes d'attente pour les logements abordables traînent sur des décennies. Plus de personnes se tournent vers les banques alimentaires que jamais auparavant. Tout ça parce que le premier ministre, ce gouvernement est plus inquiet de s'occupe plutôt de ces accords dans les coulisses qui sont louches, alors que les Ontariens ont de la difficulté. Au premier ministre, après 5 ans, les gens ont plus de difficultés que maintenant. Nous sommes dans la période sombre. Quand est-ce que le gouvernement investira afin de faciliter la vie des Ontariens et Ontariennes? Intervention du Président, je demande à la chef de l'opposition de peser ses mots. Le premier ministre, c'est ironique. Nous sommes arrivés ici et l'Ontario était comme une entreprise en faillite. Chaque ministère était un vrai désastre. Qu'est-ce que nous avons fait pour la population ontarienne? Nous leur avons donné plus d'argent. Sous le règne des libéraux, des milliers d'emplois ont été perdus. 700 000 personnes maintenant reçoivent un chèque de paye, peuvent payer leur loyer. Nous avons retiré les péages sur la 418 et la 412.
Nous avons réduit la taxe sur l'essence de 10 cents le litre. Et devinez quoi, Monsieur le Président? Les néo-démocrates ont voté contre chacune de ces mesures. Ils ne croient pas qu'il faut épargner de l'argent aux contribuables. Ils veulent facturer les contribuables pour chaque sou. C'est le parti de la taxe, taxe, taxe. À l'ordre. Prochaine question, député de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, la crise dans notre système postsecondaire montre un autre exemple d'un service public qui s'effondre sous l'approche financière inappropriée de ce gouvernement. Le financement pour l'éducation postsecondaire représente la demi de ce qui est donné au reste du pays. J'aimerais savoir quel est le plan du Premier ministre pour s'attaquer à la situation financière des établissements d'éducation postsecondaire qui n'est pas durable. La ministre, vous savez, l'opposition peut poser toutes les questions qu'elle veut, mais nous faisons le travail. Nous travaillons avec le secteur et nous élaborons un plan qui fonctionne pour la durabilité et la réussite à long terme des collèges et universités de l'Ontario. J'aimerais rappeler à tous que les néo-démocrates, sous le gouvernement libéral, ont permis la montée en flèche des droits de scolarité dans la province. Le gouvernement prend maintenant une approche pratique axée sur les étudiants pour revoir les recommandations faites. L'opposition ne veut pas faire partie de la solution et, comme toujours, elle est opposée à toute mesure, vote contre les solutions que nous déposons et se concentre sur les jeux politiques. Nous voulons aider les étudiants et nous voulons permettre la durabilité des établissements postsecondaires pour les années à venir. Complémentaire. Ce gouvernement a sabré le financement aux établissements d'éducation postsecondaire. De plus en plus d'établissements doivent se tourner vers des partenariats avec des collèges privés à but lucratif pour garder leurs portes ouvertes, ce qui remet en question le plan du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre s'engagera à s'assurer que les collèges et universités en Ontario recevront le financement bonifié nécessaire pour que le secteur puisse continuer à performer? Que les députés se rassoient. La ministre des collèges et universités. Merci, Monsieur le Président. Je dois mettre l'emphase sur le fait qu'il faut s'assurer que les collèges et universités fonctionnent de façon transparente, qu'ils soient redevables aux étudiants et à la population sur la façon dont on dépense leur argent. Nous étudions un cadre à établir pour que les établissements postsecondaires puissent corriger leurs mauvaises pratiques. Pour que ce secteur soit durable à long terme, les établissements doivent prendre un leadership et revoir leurs dépenses. Que ce soit les programmes, l'exploitation quotidienne ou autres, les collèges et universités de la province doivent devenir leur meilleure version. Ce n'est pas un changement qui se fera du jour au lendemain, mais il est nécessaire afin que les étudiants, leurs familles et les contribuables aient confiance sur le fait que chaque dollar attribué est attribué de façon appropriée et de façon transparente. Député de Bramford-Brent, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, un député libéral de cette Chambre a dit que la taxe sur le carbone fédérale améliorait la vie de la population ontarienne. C'est très éloigné de la vérité. J'encouragerais ce député à cesser son utilisation des mêmes éléments de discours que le premier ministre au fédéral et qu'il commence à écouter les entreprises et citoyens ontariens qui ont de la difficulté à cause de cette taxe. Notre gouvernement comprend que les entreprises ont vécu beaucoup de stress au cours des dernières années. C'est la raison pour laquelle nous avons poursuivi notre mise en place de mesures pour diminuer les coûts aux entreprises et j'aimerais que le ministre nous donne plus de détails à cet effet.
le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Alors que le gouvernement libéral est occupé à augmenter les impôts et le fardeau aux entreprises, nous, nous nous occupons à diminuer le fardeau administratif. En fait, 500 différentes lois ont été modifiées pour épargner 900 millions de dollars aux entreprises par année. Nous avons diminué les coûts d'exploitation sans affecter les avantages sociaux des travailleurs. Ça nous épargne 1 milliard de dollars à chaque année. Maintenant, les entreprises peuvent avoir un crédit d'impôt sur les deux nouveaux équipements. Tout cela s'est rassemblé pour épargner 8 milliards de dollars par année et permettre à 700 000 personnes de retourner sur le marché du travail. Alors que les libéraux veulent mettre une taxe sur le carbone, nous poursuivons notre diminution des frais. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour la réponse. Notre gouvernement a tout compris aux défis auxquels les entreprises doivent relever. Voilà pourquoi nous avons agi pour réduire les coûts. Comme l'a dit le ministre en même temps, nous reconnaissons l'importance du combat contre le changement climatique. Mais ce n'est pas en rendant la vie de la population plus difficile en leur imposant une taxe carbone qu'on va régler la situation. Comment est-ce que nous avons réussi de notre côté à réduire les coûts pour les particuliers et les entreprises de la province? Réponse. Monsieur le Président, nous avons réduit de 8 milliards de dollars le coût de faire des affaires et cela a attiré 27 milliards de dollars d'investissement dans les véhicules électriques. 120 000 femmes et hommes travaillent dans ce secteur. Et ici en Ontario, comme on l'a vu chez GM, qu'ils ont produit leur premier véhicule électrique de l'histoire. À Ingersoll, nous construisons des véhicules propres ici en Ontario, ici même en Ontario, construits par des travailleurs ontariens. Ici en Ontario, nos batteries seront 100% faites de 100% d'énergie propre. Dans le Kentucky, c'est 6%, ou Indiana, c'est 7%. Et alors, ici en Ontario, ce sont des batteries propre à 100% et de l'acier propre aussi. Voilà ce qu'on fait, nous, en Ontario. Député de Hamilton West. Merci, M. le Président. Ce gouvernement va autoriser seulement 1 heure d'audience publique sur le projet de loi 136, loi modifiant la loi en ce qui concerne la ceinture de verdure. Et le ministre va parler pendant toute cette heure. La province, la population a raison d'être en colère par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas les entendre sur ce projet de loi important? Moi, je suis assez divertissant quand je prends la parole. Je pense que j'ajoute de la valeur aux audiences. Les députés d'en face ont sûrement envie d'entendre les ministres du Conseil des ministres. D'ailleurs, c'est notre gouvernement qui a fait qu'il soit obligatoire pour les ministre de comparaître devant les comités pour défendre leur projet de loi. C'est nous qui avons fait ça. Et le premier ministre a souligné l'importance de cela. Mais en ce qui concerne la loi de modifiant la loi sur la ceinture de verdure, nous avons fait marche arrière car la population était pour l'abrogation de notre projet de loi. L'opposition l'est aussi. Il y aura une consultation de 30 jours sur le registre environnemental de la part des Autochtones, de la population aussi. La population aura la chance de participer. Et tout cela contribue au processus des audiences publiques avant le vote, la mise au voie en troisième lecture. Merci, M. le Président. Nous avons déjà entendu parler les ministres et nous avons besoin d'entendre la population. Et la deuxième parcelle de terrain retirée de la Sainte-Avenue se situe à Hamilton. Le commissaire a dit que des promoteurs, des initiés ont reçu un traitement préférentiel. Le premier ministre a appelé régulièrement ces spéculateurs. Il a même reçu des billets, acheté des billets pour la soirée
de jeune fille, de sa fille. Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'entendre le public sur ce traitement préférentiel pour les amis du Premier ministre? Il a dit qu'il faut entendre la population. Savez-vous pourquoi vous n'entendez pas parler la population dessus? C'est parce qu'ils s'en foutent, mais totalement. Ils s'intéressent plutôt à leur taux d'intérêt au logement abordable que bloque constamment l'opposition. Nous voulons construire des logements abordables. Ils s'inquiètent des années à venir avec la hausse des taux d'intérêt et ils vont devoir payer 3, 4, 5 000 $ de plus chaque mois. C'est leur souci principal. C'est la première question dans tous les sondages. Ils veulent que l'essence soit abordable. Ils espèrent que le gouvernement fédéral va supprimer les 14 cents de la taxe carbone du litre d'essence. Ils veulent des courses abordables et un logement abordable aussi. Dans n'importe quel sondage, c'est toujours l'économie à pouvoir accéder à un emploi stable pour payer le logement. Micro-éteint. Merci. Député de Carleton, merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Encore la semaine dernière, le député libéral de Canada Carleton a dit que la grande majorité des ménages se portent mieux avec la facturation du carbone. Et pourtant, le rapport du directeur parlementaire du budget a dit que ce n'est pas le cas. Il conclut que la plupart des ménages vont connaître une perte nette de revenus du fait de la catastrophique taxe carbone lorsqu'on tient compte des coûts directs et indirects. Plus précisément, le directeur du budget parlementaire a dit que 60% des ménages en Alberta, en Ontario, Saskatchewan, en Ontario vont payer plus pour la taxe qu'ils ne reçoivent en remise. Est-ce que vous voulez dire plus sur l'impact de cette taxe désastreuse sur les familles ontariennes? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à l'excellente députée de Ottawa-Carleton. Je veux le dire très clairement, et je veux le dire très clairement au gouvernement fédéral et surtout à la députée libérale de Canada, Carleton, la taxe carbone du fédéral rend la vie plus dure. Tous les domaines de la vie sont maintenant plus chers pour la population de la province et pour les familles de la province. Il est plus cher pour aller à l'épicerie. Et lorsque vous êtes à l'épicerie, les aliments sont plus chers. Même pour le chef du parti indépendant en face, ce n'est pas une taxe qui affecte uniquement quelques Ontariens. Cela fait grimper les prix pour tous les Ontariens et tous les Canadiens, d'ailleurs. Voilà pourquoi nous n'allons pas arrêter d'exercer une pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il pose le bon geste. Et je me demande si le chef du parti indépendant va nous rejoindre contre cette taxe carbone injuste. Merci pour la réponse. Le directeur parlementaire du budget a dit par ailleurs que d'ici 2030, 80% des ménages ontariens se porteront moins bien et non pas mieux à cause de la taxe carbone. Les députés libéraux, pendant votre réponse, qui n'étaient pas d'accord avec vous, que les gens vont se porter mieux grâce à la taxe carbone. Dans l'ensemble, les Ontariens vont payer 478 $ de plus par ménage à cause de cette taxe fédérale. En l'an 2030, la perte moyenne pour les Ontariens sera d'environ 2000 $ par ménage. Accroître la taxe carbone a un impact délétère sur les familles et sur l'économie. Ça ne va rien améliorer, malgré ce que disent les libéraux. Ça a un impact indésirable sur l'économie et sur les travailleurs. Est-ce que le ministre veut corriger le tir sur ses affirmations concernant l'impact de cette taxe sur tous les secteurs de l'économie? Merci. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Ottawa-Carleton. Le député libéral de Canada-Carleton doit penser que plus de taxes est bien pour l'économie, alors que nous agissons pour remettre de l'argent dans les poches des Ontariens, alors que nous attendons que le gouvernement fédéral mette fin à cette taxe. Nos mesures allègent les coûts pour toutes les familles. Il y a quelques semaines, nous avons prolongé jusqu'en juin 2024 la réduction de la taxe sur l'essence. Nous avons mis
fin la facturation des vignettes d'immatriculation. Nous avons réduit les péages des autoroutes 412 et 418. Nous allons continuer de donner l'exemple pour réduire les coûts. Aussi seulement l'opposition voulait se joindre à nous dans cet effort. Député de Toronto Centre, au mois de septembre, le Premier ministre a dit que les enseignants et les conseils scolaires endoctrinaient les enfants sur l'identité du genre. Les paroles sont importantes. Aujourd'hui, c'est le jour de mémoire des trans pour se remémorer, pour penser aux personnes qui sont décédées suite aux incidents de haine de transphobie. Des incidents contre les enseignants et les élèves vont en augmentant. Est-ce que le Premier ministre regrette ce qu'il a dit? Car le seul programme scolaire enseignant en Ontario est celui affiché sur le site du ministère de l'Éducation. Réponse. Ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée pour cette question importante. Il est hors de tout doute que l'Ontario a une communauté dynamique de LGBTQ+. Leurs espaces sont importants dans cette province. Voilà pourquoi nous faisons des investissements essentiels pour construire des communautés plus sûres, plus protégées. À Tolinovo, des millions de dollars sur des initiatives contre la haine, rien que dans mon ministère, donc 25 millions de dollars dans la bourse de prévention contre la haine. En observant ce jour de mémoire des trans, nous pensons aux défis que cette communauté doit relever et nous nous engageons à construire une province plus inclusive où tous les Ontariens et Ontariennes peuvent s'exprimer librement et observer leurs traditions. Question complémentaire, Monsieur le Président, des paroles vides qui ne protègent pas la communauté trans. Il y a une hausse de crémeux en Ontario et à Toronto. Cela s'est triplé contre la communauté de LGBTQ+. Selon la police torontoise, ce sont les queers et les trans qui sont les victimes d'agressions physiques les plus fréquentes. J'ai déposé un projet de loi pour élaborer une stratégie visant à protéger les LGBTQ+. Chaque jour qui passe sans adopter un tel plan, cela n'entraîne que plus de peur et la perte d'espoir. Est-ce que le gouvernement peut assurer que les communautés trans et queer seront, comme la mienne, seront protégées? Est-ce qu'il va travailler avec nous pour adopter ce projet de loi dès que possible? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, depuis toujours, ma porte reste ouverte et elle restera ouverte à tous les membres de toutes les communautés. En tant que ministre, j'ai eu des pourparlers avec de nombreux membres de la communauté de LGBTQ+, dont Pride Toronto et le centre communautaire 519, pour en apprendre plus sur leur travail et sur comment mieux les épauler. Ces échanges ont inspiré l'investissement de 4,8 millions de dollars dans 82 projets communautaires et pour sensibiliser la population concernant l'impact du racisme et de la haine, pour citer une autre initiative. Aujourd'hui, c'est le jour de mémoire des trans. Toute personne victime de discrimination ou de harcèlement, qu'il et elle sachent que nous les apprécions, qu'il et elle ne soient pas seuls. Nous sommes là pour vous protéger. Nous allons construire une province plus inclusive qui veille à la protection de tous et toutes. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Question suivante, député de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Ce gouvernement aime à parler des investissements dans les transports, mais sous leur garde, les agences de transport en commun sont moins financées que jamais auparavant.
À quoi bon une nouvelle ligne de métro si les autres lignes sont coupées, car on a affamé la CTT de financement? Notre économie dépend des transports en commun pour que les travailleurs puissent se rendre au travail à temps. Les agences réduisent le nombre de routes. C'est un obstacle majeur à faire revenir des gens dans la CTT. On a un taux de 78 % d'usage pré-pandémie. La CTT n'a pas les ressources dont elle a besoin. Il faut augmenter la subvention. Ce n'est pas lié au, ce n'est pas indexé sur l'inflation. Est-ce que le gouvernement va s'engager à construire des services dont les Ontariens dépendent, ou est-ce qu'ils vont continuer à penser que les chauffeurs de bus ne valent pas grand-chose? C'est intéressant de la part d'une députée libérale de Scarborough. Elle s'en souviendra. L'ancien gouvernement, libéral n'a rien fait pour les transports en commun à Scarborough. Non seulement nous construisons un métro à Scarborough, la ligne Ontario, mais nous faisons plus pour les réseaux GO, non seulement dans cette région-là, mais dans toute la région torontoise. Dans ma circonscription, il y aura une ligne GO bidirectionnelle toute la journée. C'était un rêve avant et voilà, nous l'avons fait. Avec des financements historiques pour les transports en commun, y compris pour les transports en commun publics. Aucun gouvernement n'a tant investi dans les transports en commun publics que notre gouvernement, et nous allons continuer sur cette voie. Nous avons compris l'importance pour bâtir un Ontario plus fort, meilleur. Nous allons continuer à faire le travail que les libéraux ont refusé de faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, sous ce gouvernement, un train léger a déraillé à Scarborough. Il n'y a pas eu de reddition de compte des conservateurs. Aucune excuse, aucun engagement de finance pour financer la voie dédiée pour les bus dont nous avons besoin en toute urgence. C'est un avertissement. On a besoin d'investir dans le système, mais malheureusement, la CTT doit annuler l'achat de nouveaux trains du fait de l'absence de financement. Les trains ne peuvent pas durer au-delà de 2026. Des milliers de personnes s'inquiètent de la survenue d'un nouvel accident grave. Il faut acheter de nouveaux trains et la province doit voler au secours parce que la CTT n'a pas les ressources. Est-ce que le ministre s'engage à acheter des trains ou veut-il qu'il y ait encore un déraillement sous la garde de son gouvernement? Comme vous le savez, M. le Président, les libéraux ont voté contre les 70 milliards de dollars pour la hausse pour le gouvernement. Nous avons débouclé des niveaux historiques de financement. Oui, il faut faire des investissements, mais sachez qu'il aurait fallu le faire il y a 10-12 ans, quand la population de Scarborough, la population de Toronto, réclamait désespérément de nouvelles lignes de métro. Les libéraux n'ont rien fait. Mais maintenant, il s'agit de rattraper, car après 15 années de désastre des libéraux et des néo-démocrates, eh bien, il y a des crises partout, transports, hôpitaux, établissements de longue durée, routes, transports en commun, nous construisons des métros, Monsieur le Président. Sachez que nous sommes obligés de faire cela, car sous les libéraux, 15 ans d'incurie. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien à montrer à part des taxes élevées, plus de règlements et une province l'une des plus endettées du monde. Nous faisons le boulot et nous allons continuer de faire le boulot. Question suivante, député de Hastings, Lennox, Addington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. Monsieur le Président, nous avons entendu ici et de la part de nos électeurs que la taxe carbone rend tout plus cher pour les Ontariens. Mais la population du Nord et les communautés autochtones du Nord sont encore plus durement frappées par le coût élevé des biens et des déplacements liés à cette taxe régressive. Voilà pourquoi c'est tellement choquant d'entendre les députés libéraux et démocrates qui continuent à défendre la taxe. La réalité, c'est que le transport des biens est déjà plus élevé dans le Nord et c'est coûts sont transmis aux consommateurs. Est-ce que le ministre peut nous parler plus sur l'impact négatif de la taxe carbone dans le nord de la province et sur les communautés autochtones du nord? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président, mon bon ami, le député de Coyton.
par souvent de la différence des cours, du prix des courses entre les localités peuplées du Nord comme Sioux Lookout ou Sandy Lake. Il a donné l'exemple de la Première Nation Sandy Lake. Il dit que le prix du poulet est 6 fois plus élevé sur la Première Nation de Sandy Lake qu'à Sioux Lookout. Et moi, je dirais qu'à Sioux Lookout, il est déjà beaucoup plus élevé que dans d'autres grandes villes. Eh bien, le vérificateur général a dit quelque chose là-dessus en 2022, en disant que les groupes autochtones sont disproportionnellement touchés par la taxe carbone sans tenir compte de l'inflation. Et tout cela frappe disproportionnellement dans les Nords. Et la taxe carbone rend tout cela beaucoup plus dur. J'étais à Satchel. Est-ce qu'il a remarqué, est-ce que le député a remarqué que le prix de l'essence était de plus de 2 dollars le litre et le pain de plus de 4 dollars? Est-ce qu'il va voter avec nous pour éliminer cette taxe? Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour ces exemples de ce scandale. La taxe carbone, en gros, c'est une taxe sur tout. Courses, gaz, essence, mazout, tout. C'est absolument scandaleux que le gouvernement fédéral impose cette taxe régressive qui a un impact négatif sur les particuliers et les familles, et surtout dans le nord de la province. Au lieu de soutenir le nord de la province, l'ancien gouvernement libéral, soutenu par les néo-démocrates, a passé plus de temps à insulter la région en disant que c'était un « no man's land », un désert. Contrairement aux autres régions, il y a des obstacles particuliers par rapport au prix des carburants. Il faut respecter cette différence. Ceux qui disent que cette taxe n'a pas vraiment un impact dans le Nord fait preuve d'un manque de respect envers toute la population du Nord. Est-ce qu'il veut dire un peu plus sur l'impact de cette taxe inique? Tout au long de la journée, par exemple, le député d'Orléans qui dit que seulement tout le monde achetait une pompe à chaleur et utilisait l'électricité pour chauffer leur maison, eh bien, ça se passerait mieux. Est-ce que le député d'Orléans ne sait pas que des dizaines de communautés reculées, rurales, comptent sur le diesel et que les pompes à chaleur dans des lieux comme Kenora ne fonctionnent pas lorsqu'il fait moins de 20 degrés, quand la température est de moins 20 degrés? Ce n'est pas comme cela qu'on va offrir une énergie abordable et propre au nord de la province. Mais le Saint-Justin a donné un bout de charbon. C'est seulement la population des provinces atlantiques qui bénéficie de la mesure. Nous n'utilisons plus le charbon. Il faut éliminer la taxe carbone. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, nous avons appris que le gouvernement conservateur paye des cliniques privées à but lucratif 2 à 4 fois plus qu'il n'est payé aux hôpitaux publics pour des chirurgies financées par le réseau public. Et maintenant, l'ancienne ministre de la Santé est une lobbyiste pour ClearPoint, la chaîne de cliniques privées la plus grande du pays. C'est une nouvelle qui tombe, alors que des rapports montrent que l'élargissement des chirurgies au secteur privé ne va pas réduire les délais d'attente. D'ailleurs, cela va les augmenter pour les patients en aggravant la crise des effectifs dans nos établissements de santé. Pourquoi est-ce que le Premier ministre met les profits des cliniques privées devant les soins pour les patients dans notre province? Réponse député de Clinton. Oh, Lawrence, adjointe parlementaire de la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Je n'ai pas vu l'étude que vous avez évoquée. Je veux bien la lire, mais je ne sais pas comment, en faisant 14 000 opérations de la cataracte de plus depuis un an, ne va pas réduire les délais d'attente. Moi, j'ai l'impression que ça va réduire les délais d'attente. Cela réduit les délais d'attente pour 14 000 personnes, très précisément, qui ont eu ces opérations, qui peuvent lire à leurs petits-enfants, qui peuvent aller à l'épicerie, qui peuvent vaquer à leurs occupations. C'est ce que fait ce gouvernement, les bons soins au bon endroit, au moment qu'il faut payer par la carte OHIP. Question complémentaire, c'est dommage que vous n'ayez pas reçu le rapport. Il a été publié il y a 5 jours. Cela vous donne beaucoup de temps pour le lire.
Au Premier ministre, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement conservateur de la province privatise les soins de santé publique. Les conservateurs de Mike Hurst l'ont fait avec les établissements de soins. Ils ont fermé 26 hôpitaux. Ils ont licencié 6 000 infirmières. 6 000 personnes sont décédées dans des établissements de soins pendant la pandémie. 78 % étaient dans des cliniques privées à but lucratif. Il a fallu faire appel à l'armée pour venir porter main forte. Des personnes mouraient de déshydratation. Le gouvernement a ensuite donné une protection juridique à ces établissements pour les protéger contre les poursuites et ont ensuite renouvelé leur contrat tous azimuts. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut pas reconnaître les erreurs des anciens gouvernements PC et pourquoi n'abrogerait-il pas le projet de loi 60 et investir dans les soins publics et non pas dans les profits des entreprises privées et de richissimes PDG? Beaucoup à démanteler dans ce que vient de dire le député. Il veut parler des établissements de santé. Eh bien, parlant de l'héritage de l'ancien gouvernement soutenu par les libéraux, ils ont été incapables de construire des établissements de santé avec une population vieillissante, avec des personnes âgées, avec une population vieillissante, un système qu'ils ont créé 611 nouveaux lits en 15 ans. Ils ont attendu, ils ont laissé allonger la liste d'attente à 40 000 personnes. Le temps moyen d'attente était de 152 jours pour les aînés. Monsieur le Président, c'est sous le leadership de notre gouvernement et sous notre ministre que nous n'allons pas prendre ce chemin-là, chemin qu'ils ont pris eux. Nous devons nous occuper des aînés. 10 milliards d'investissement, un investissement record pour construire de nouveaux établissements ou moderniser les établissements avec de nouveaux outils diagnostiques, de nouveaux équipements. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des néo-démocrates. Nouvelle question, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. À date, le gouvernement fédéral a augmenté la taxe carbone sur l'essence chaque 5 fois et ils vont le faire 7 fois de plus sur les 7 années qui viennent. La taxe carbone rend la vie plus chère pour tous et toutes, et surtout pour l'industrie de transport des biens, les camionneurs. Voilà pourquoi c'était choquant d'entendre le député de Kennard, Carlton, dire qu'il défend la taxe carbone. Ce député libéral peut penser que la taxe carbone est une bonne chose, alors que nous savons que c'est une taxe régressive qui rend la vie plus chère pour des millions de personnes dans la province. Est-ce que le ministre veut bien expliquer l'impact de la taxe carbone fédérale sur l'industrie du camionnage? Député de Brampton-Est, adjoint parlementaire du ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de représenter des milliers de camionneurs à travailleurs dans ma circonscription. Chaque jour, ils veillent à ce que les étagères des supermarchés aient tout ce qu'il faut avec des produits fabriqués en Ontario et ailleurs. Ils me disent que la taxe carbone rajoute des coûts inutiles à chaque livraison. Tout est plus cher. Selon l'Association des camionneurs, la taxe de 14 cents le litre augmente le prix de 15 à 20 000 $ le prix de transport pour chaque camion chaque année. Cela nuit à notre économie, ça rend la vie plus chère. Nous réclamons que le gouvernement fédéral pose le bon geste et supprime cette taxe inique. Je remercie l'adjoint parlementaire pour la réponse. La population ontarienne a une grande dette vis-à-vis des femmes et hommes dans l'industrie de transport routier qui livrent chaque jour les biens essentiels dont nous dépendons. Mais la réalité, c'est que la taxe carbone a un impact nocif sur cette industrie. À cela, au bout du compte, un impact sur tous les consommateurs. Le carburant est transmis aux consommateurs. Le prix du carburant est transporté, est transféré aux consommateurs. C'est un impact, c'est un enjeu essentiel, avec un impact sur tous les autres, et aussi
les électeurs de Canada Carlton, où il y a 1 500 personnes dans l'industrie du camionnage et des entrepôts. Malheureusement, le député de la circonscription fait fi de leurs soucis en ce qui concerne l'effet délétère de cette taxe carbone. Est-ce que l'adjoint parlementaire veut nous dire un peu plus sur l'impact de cette taxe sur l'industrie des transports routiers et sur toute l'industrie? Merci au député d'Essex pour cette question phénoménale. Les libéraux et les démocrates sont tellement déconnectés de la réalité. Ils prétendent que la taxe carbone vise à aider les personnes vers la transition à d'autres options, mais pour les camionneurs, il n'y a pas d'autres options. La taxe carbone est une taxe sur les gens qui chauffent leur maison, qui dépendent des camionneurs pour livrer les biens. Est-ce que la députée a déjà rencontré un camionneur? Je l'invite à venir à Brampton rencontrer ses travailleurs et ils lui diront que la taxe carbone fait qu'il est plus difficile de subvenir aux besoins élémentaires des familles. Merci, Monsieur le Président. Hier, question au Premier ministre. Hier, c'était la journée mondiale du souvenir pour les victimes des accidents de la route. Et j'ai travaillé avec la collègue qui est d'ailleurs ici aujourd'hui, dans la tribune aujourd'hui. Nous avons vu des documents concernant des centaines d'accidents qui, pendant lesquels des piétons ont subi des conséquences. Nous avons demandé donc que le projet de loi 40 puisse être discuté et approuvé. Ce projet de loi n'est pas un sujet partisan. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer qu'il va appuyer ce projet de loi? Leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président. Bien sûr, nous allons approuver, mais il y a eu en fait plusieurs lois qui ont été présentées par l'ancien ministre du Transport concernant la sécurité routière, et nous allons continuer d'appuyer et de construire la sécurité à travers le travail que nous faisons. Question de suivi. Eh bien, c'est une réponse décevante. Après 10 ans dans cette Assemblée et après le fait que dans cette Assemblée, on défende tout ce qui est inclus dans ce projet de loi, c'est véritablement décevant de voir qu'il y a beaucoup de piétons qui ont subi les conséquences des accidents de la route. Il y a des milliers de personnes. Alors, 400 piétons ont été blessés de manière critique ou sont décédés même. Alors, certains ont subi des conséquences permanentes. Donc, je demande au gouvernement, à travers vous, Monsieur le Président, est-ce que la violence dans les routes et les accidents de la route de ce type sont acceptables? Alors, est-ce que le Premier ministre peut justifier à cette Assemblée pourquoi il décide de voter contre le projet de loi 40? Est-ce qu'il peut changer sa réponse, s'il vous plaît? Député de Brampton East, merci, Monsieur le Président, et merci au député pour sa question. Eh bien, Monsieur le Président, notre travail a fait beaucoup de travail concernant la sécurité routière. Quand on regarde les lois que nous avons déposées, nous avons analysé et préposé des lois pour la sécurité routière. C'est pour garantir que nos routes puissent continuer d'être sûres. Alors, notre porte est toujours ouverte pour les débats, mais les idées qui ont été données pour pouvoir protéger les utilisateurs de la route font qu'on a besoin de mettre en place des actions. Chaque accident est différent et c'est le tribunal qui doit prendre les décisions concernant ces accidents de la route, non pas une loi unique qui serait une panacée pour tout le monde. Alors, nous allons continuer de travailler dans les mois à venir et notre gouvernement travaille pour faire en sorte que nous ayons les routes les plus sûres en Amérique du Nord.
Nouvelle question, le député de la députée de Thornhill. Merci. Je pose ma question au ministre associé des petites entreprises. Les petites entreprises contribuent de manière significative à l'économie de l'Ontario. Toutefois, la taxe carbone rend plus difficile pour les entreprises le fait de survivre. C'est pourquoi c'était choquant d'entendre jeudi dernier que un député de Conneaut Carleton s'est levé dans cette assemblée pour défendre la taxe carbone. Le député disait que la majorité des entreprises sont en train de avoir des difficultés. Donc, ils pourraient se porter mieux sans la taxe carbone. Beaucoup des entreprises en Ontario ressentent le poids de cette taxe carbone qui a un impact négatif sur leur vie. Alors, est-ce que le ministre associé peut expliquer comment la taxe carbone a un impact sur les petites entreprises en Ontario? La ministre associée des petites entreprises. Merci et merci à la députée de Thornhill pour sa question. Et merci aussi pour le travail qu'elle fait, qui est passionnée pour défendre les petites entreprises. Nous avons entendu l'opinion de tous les entrepreneurs dans la province et peut-être que le député de Kanata-Carleton devrait faire la même chose dans sa circonscription. Alors, ces entreprises expriment véritablement des inquiétudes concernant leurs finances et concernant les dates butoirs pour le paiement de ces taxes. Ce sont des taxes qui pèsent à n'importe quel moment de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit pour l'achat d'aliments, pour le transport, pour l'ouverture des sites de production ou des sites de commerce. La taxe carbone pèse sur ces entreprises et les empêche de pouvoir se remettre debout et de et les oblige à augmenter les prix ou alors à mettre la clé sous la porte. Notre gouvernement est en train d'écouter les entrepreneurs. Nous sommes en train d'agir pour que leur travail soit plus abordable et nous demandons au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe carbone. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre associée pour le travail qu'elle fait pour les entreprises dans notre province. Notre gouvernement doit continuer de respecter l'importance des petites entreprises et nous savons que la taxe carbone est nuisible au succès de ces entreprises. Alors, éliminer cette taxe carbone a été l'une des priorités depuis le premier jour pour que les petites entreprises puissent croître et réussir. Notre gouvernement doit rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Et c'est inquiétant que le député de Kanata-Carleton n'appuie pas les petites entreprises dans sa circonscription. Est-ce que le ministre associé peut élaborer pour dire comment notre gouvernement continue d'appuyer les petites entreprises pour pouvoir éliminer la taxe carbone et se battre contre cette taxe? La ministre associée. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de faire partie de ce gouvernement. Et je suis fière du leadership du Premier ministre qui lutte contre cette taxe qui pèse sur les entreprises. Et je suis contente de voir les premiers ministres dans tout le pays, dans toutes les provinces qui luttent contre cette taxe carbone pour pouvoir alléger le poids sur les entreprises et pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Tous les jours, j'entends des histoires qui véritablement représentent une inspiration pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir lutter contre cette taxe carbone. C'est pourquoi on a des millions d'investissements partout au Canada pour pouvoir aider les entreprises, pour des programmes de mentorat, des financements, pour que les entreprises puissent réussir et avoir du succès et pour aider les entreprises existantes à créer une présence en ligne et créer des emplois. Nous sommes en train de défendre les petites entreprises. Il est temps que les autres le fassent aussi. Merci. Nouvelle question. Député de la James Bay, au Premier ministre. Ce sont des moments critiques de l'année quand les bureaux pour la tutelle du territoire essaient de protéger la vie. Ces bureaux sont aussi en train de travailler dans certains lieux isolés de l'Ontario pour pouvoir aider les agences de respect de la loi. Et malheureusement, ces fonctionnaires
ne sont pas récompensés de la bonne manière et ne sont pas rétribués de la bonne manière. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va requalifier le niveau de salaire de ses agents de tutelle? Réponse. Pendant cette saison, les responsables pour la tutelle du territoire ont un rôle fondamental pour la protection de notre territoire, pour faire en sorte que les Ontariens puissent véritablement profiter des zones naturelle. Nous avons beaucoup de parcs dans notre province et nous avons répondu aux promesses pour pouvoir créer de nouveaux postes d'agents de tutelle du territoire, ce qui nous amène à plus de 200 agents de tutelle du territoire, dans notre province. Le ministère a reçu 4000 demandes d'emploi quand ces postes ont été ouverts pour des postes qui sont très recherchés. Les agents de conservation et de tutelle du territoire représentent un métier qui est très recherché et nous allons continuer de travailler avec ces personnes pour pouvoir protéger nos ressources naturelles. Député de Thunder Bay, Superior Nord, j'entends beaucoup de belles paroles de la part du gouvernement et en même temps, responsables pour la tutelle du territoire continuent d'abandonner ce travail pour pouvoir faire en sorte de se faire embaucher ailleurs où leur expérience est mieux rétribuée. Nous avons perdu beaucoup de responsables et malgré leur formation, ces personnes se trouvent à faire face à de grands risques. Le gouvernement pourrait reclassifier cet emploi et c'est une reclassification qui est nécessaire depuis longtemps. Est-ce que ce gouvernement va reconnaître que la formation et le travail des agents de tutelle du territoire va bien au-delà que le niveau de rémunération et de paie qu'ils reçoivent? Réponse. Merci. Nous travaillons sur une révision de la classification et je suis confus par l'idée du NPD et de leur interférence dans ce processus. Mais je comprends aussi qu'il y a un comité qui doit faire cette révision et qui va faire en sorte que le travail, les compétences et l'importance du travail de ces agents soient pris en considération pendant cette révision. Ce gouvernement a répondu en créant de nouvelles positions, de nouveaux postes et de nouvelles méthodes pour aider ces fonctionnaires. Et nous allons continuer de les aider dans leur travail de toutes les manières qui sont possibles. Nouvelle question, député de Brantford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Mines. Les mines sont une partie essentielle des chaînes d'approvisionnement pour pouvoir construire des véhicules électriques, ce qui est une source et incroyable de succès économique. Et donc, les mines fournissent des emplois qui sont stables et qui permettent à cette province de prospérer. Malheureusement, l'opposition a voté contre toute action de ce gouvernement visant à appuyer le secteur minier. Et ce qui est même pire, c'est que les libéraux avec le NPD appuient la taxe carbone qui nuit ce secteur important. Alors que notre gouvernement entreprend des actions urgentes, d'autres députés de cette Assemblée appuient cette taxe qui va nous faire aller en arrière et limiter notre expansion. Est-ce que le ministre peut expliquer l'impact de la taxe carbone sur le secteur minier de l'Ontario? Le ministre des Mines. Merci au député de Brantford-Brent pour sa question si importante. Monsieur le Président, une étude de l'Université de l'Ontario montre que créer de nouvelles mines permet de créer plus de 300 millions d'augmentation de dollars donc dans le PIB de l'Ontario et la création de plus de 2 000 emplois. C'est pourquoi le secteur minier est si important. Mais la taxe carbone menace ses opportunités et la croissance économique. Le NPD
groupe aider les libéraux à appuyer cette taxe carbone qui est une taxe désastreuse. Ils appuient le fait de faire augmenter les coûts du carburant pour les sociétés dans ma circonscription, alors que nous travaillons pour trouver de nouvelles mines et nous appuyons les petites entreprises. Mais à Timmins, par exemple, c'est beaucoup plus cher de transporter les produits. Ils appuient le fait de rendre la vie plus chère pour beaucoup d'entreprises. Pour pouvoir investir dans le secteur minier, ça va être difficile. Ici, dans les circonscriptions de ces députés qui appuient cette taxe. Alors, nous avons besoin que les députés disent à leurs amis à Ottawa et nous appuient pour dire justement à leurs cousins d'Ottawa qu'il faut éliminer cette taxe. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, ministre, pour cette réponse. Cette taxe carbone qui nous fait regresser est une taxe qui a un effet terrible. Conformément à ce que dit l'Association des mines du Canada, cette taxe va nous faire perdre au moins 170 millions de dollars d'ici 2030. Nous avons tout ce qu'il faut pour être leader dans la production des véhicules électriques, mais l'impact de la taxe carbone est significatif. C'est inacceptable que les libéraux indépendants et le NPD continuent d'appuyer la taxe carbone fédérale. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer l'impact de la taxe carbone sur les créateurs d'emplois pour notre économie, comme par exemple le secteur minier, qui est un créateur d'emplois très important? Le ministre des Mines. Merci au député de Brantford-Brent, encore une fois, pour cette question si importante. Comme j'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, il n'y a pas de révolution de véhicules électriques sans les mines. Cette année passée, j'ai été encouragée quand j'ai vu qu'on a créé une stratégie minière visant à appuyer le développement et la construction des véhicules électriques. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas mettre une taxe sur les carburants et les produits et gagner et être compétitif au niveau mondial. Pouvoir créer ces véhicules électriques est beaucoup plus dispendieux à cause de cette taxe carbone. Alors, les députés qui appuient cette taxe carbone créent des obstacles pour la population, les travailleurs et les entreprises. C'est dommage qu'ils appuient une taxe qui rend la vie moins abordable pour les familles et rend la création de l'emploi moins compétitive. Il est temps d'éliminer à la hache cette taxe. Merci. Cela met fin.